Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo tutoriel. Aujourd'hui, nous allons faire des lingettes désinfectantes. Alors, pour cela, nous avons besoin De l'eau bah, froide. voilà, de l'eau qui a été bouillie et qu'on a rendue froide, du vinaigre Vinaigre. d'alcool, des huiles essentielles, Et des bocaux pour mettre les lingettes des nickel. bocaux, donc voilà, donc soit des bocaux que vous récupérez pour faire du recyclage, ou alors moi j'en avais pas du tout, donc je les ai achetés 1,50 € chez Action. Un vieux torchon qu'on a découpé, et donc du coup des ciseaux. Alors pour commencer, On va ouvrir les bocaux. tu veux lequel? Le bleu. Le bleu. Alors du coup, on va commencer par mettre l'eau. Ok. On les met à l'intérieur, l'eau. Bah oui, on va mettre à l'intérieur. Alors. Donc c'est pareil, il faut faire comme la dernière fois, deux tiers, un tiers. Alors on va pas se faire avoir, hein, parce qu'après il faut qu'on mette nos lingettes dedans, donc il faut qu'il y ait assez de place pour fermer. Donc là on a mis deux tiers d'eau. Alors pourquoi il faut la laisser refroidir? Parce que les huiles essentielles, c'est pas bon du tout avec de l'eau chaude, hein. Hop. Ensuite, le vinaigre. Oui, du vinaigre. Hop. Ah, ça en dirait de l'eau. Et ensuite, on va prendre les huiles essentielles. Alors, donc on a pris citron Citron et lavande. et lavande. Ça va sentir super bon. Ouais. Alors, On les chiffonne à l'intérieur ou pas là? donc il faut 10 gouttes de chaque. Alors attends, tiens. Ah. Tu veux faire le compte-gouttes? Tu Combien? comptes 10. Ah, je veux faire faire parce que j'ai peur d'en mettre trop. C'est pas grave si t'en mets trop. Hein. Donc là, c'est le citron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien! Ça va être tout T'as vu, ça sent bon, transparent. hein? On dirait des vraies lingettes. Enfin, ça sent surtout le vinaigre. Ouais, parce que hop, on va mettre l'huile essentielle de lavande. Pareil, il en faut 10. Oui. S'il y en a plus, c'est pas grave de toute 1, façon. 2, 3, 4, 9, 10. Et maman, s'il n'y en a pas plus, c'est pas grave. S'il y en a plus, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Ça sent bon, ça sent trop la lavande T'as vu, là-bas. sans notre petite préparation. Ça Ensuite, sent tu bon. Ah, mets. la caméra, elle ne peut pas sentir, c'est dommage. Ensuite, tu mets La lingette. la lingette. Hey. Allez, vas-y, faut toutes les mettre. Ah, tous. C'est terminé après. C'est rapide à faire, hein. Ouais, beaucoup, 50. Allez, je te laisse les mettre. Tu mets le max. Bah, je sais pas si ça va rentrer. Je Donc, vais prendre comme. le ciseau pour les mettre en Oui, fond. si tu veux. Alors, comment après ça fonctionne les lingettes? Vous avez juste à la sortir, vous les saurez et vous nettoyez toutes les surfaces. Donc, on peut nettoyer la table, on peut nettoyer la salle de bain, les toilettes, la cuisine. Comment ça fonctionne en fait? C'est le vinaigre qui va avoir qui est très acide, donc c'est désinfectant. Et Et après, on puis, va faire. les huiles essentielles antibactériennes, donc ça désinfecte. Et le but, c'est que c'est économique et écologique, parce qu'à chaque fois qu'on a utilisé la lingette, on la met pas à la poubelle, on la met à la machine à. Laver. Et après, on la remet dans le bocal, puisque le produit qu'on a fabriqué, il est utilisable pendant un sacré bout de temps. Ah oui. Hop, on mélange. Par contre, à la pompe, par contre, on peut pas se laver avec. C'est comme Ah les bah vrais. non. C'est comme quand on achète au supermarché. Ouais. Et qu'est-ce que ça sent bon? Ça sent pas très bon. Ça sent pas bon? C'est la lavande, c'est pour ça. Ça sent le vinaigre et la lavande, C'est surtout la lavande que ça sent, mais c'est vrai que c'est Ouais. pas une odeur que tu connais beaucoup. Voilà, donc là on a fabriqué nos lingettes, et puis bah, la prochaine fois on fera d'autres expériences. Demain ou après-demain, on va peut-être faire les pastilles pour mettre dans les toilettes effervescentes. Ça va être rigolo, ça va être une Ah sacrée ouais. expérience. On mettra des gants, des masques, Ça tout va faire un ça. volcan? Ah, oh, ça fera peut-être pas un volcan, on va voir. Donc vous pouvez retrouver les huiles essentielles sur ma boutique en ligne Naturellement Bien, que vous trouverez en barre d'informations de cette vidéo YouTube. Le vinaigre également. Et puis ensuite, le reste, c'est du recyclage.
N'hésitez pas à partager au maximum cette vidéo, à la liker et à vous abonner. Et à vous abonner à notre chaîne. Bonne journée, à bientôt.